Salut! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler des nouveautés de Bulle de Roll qui sont sorties, enfin, tout bien parlé lors du webinaire dernier, hein, c'était il y a quelques jours. Donc, il y a 5 choses. En gros, il y a carte de crédit, Bulle de Roll, la crypto-monnaie, 5 niveaux d'affiliation. Et le plan, le premier plan, le petit à 8 euros par mois, qui aura l'affiliation. Cinquièmement, il va y avoir des tunnels et des vidéos pour parler de ça. Enfin, pour parler de ce nouveau plan et aussi pour parler de ce qu'on peut faire avec Bulle plutôt que de l'outil et de tout ce qu'il y a comme outil. Ok, donc ces informations, j'ai entendu dans le webinaire qui est pour les franchisés. Ok, là je mets une vidéo, c'est juste pour faire de l'image. Mais... Donc la carte de crédit, c'est, je pense, ça va être comme PayOneer, si quelqu'un connaît, c'est en fait une carte de crédit des États-Unis qui permet de recevoir de l'argent dessus. Donc il y a plein de sociétés qui payent les commissions sur cette carte, si on veut, plutôt que PayPal. Et donc voilà, il y aura une carte avec à l'image de Bulle de Roll. Et on pourra recevoir ses commissions dessus. Ensuite, avec la carte, on peut retirer l'argent dans les machines normales, quoi, ou payer avec sur Internet ou dans les magasins. Donc ça sera juste une possibilité, quoi, en plus de ce qui existe déjà, de recevoir les commissions sur PayPal, si on veut, quoi. Ensuite, il a parlé aussi de une crypto-monnaie pour Bulle de Roll. Donc là, pareil, ça serait pour recevoir ou en tout cas pour payer des choses dans Bulle de Roll. Mais ça, par contre, c'est pas de suite là, la carte de crédit. Tout ça, c'est avant la fin de l'année, avant Noël, quoi. Tout ce que je vais parler, c'est en gros avant Noël qui ça va arriver. Sauf la crypto-monnaie, c'est juste, il est en relation donc avec une société au Japon qui fait ça, qui fait la crypto. Mais ça ne sera pas une crypto-monnaie basée sur le cours du Bitcoin. Ce sera plus basée sur le dollar. En tout cas, c'est une monnaie interne à Bulle de Roll. Voilà, pareil qu'on peut utiliser ou pas. Hein, c'est pas forcé, mais ça, bon, c'est assez loin. Et en plus, ça coûte cher pour Bulle de Roll. Donc, s'ils le font pour faire développer et tout, c'est. Voilà, ça c'est pas sûr sûr, mais il en a parlé, en tout cas si ça se fait, c'est dans les 6 mois 2019, quoi. C'est pas pour de suite. Par contre, pour de suite, novembre ou décembre, il y a des changements au niveau du plan de rémunération et tout ça. C'est que bon, tout reste pareil, les prix c'est les mêmes. Les deux niveaux d'affiliation qu'on connaît là, avec 100% sur la première, 30% sur les autres, et tout ça, ça reste pareil. Mais il va y avoir maintenant 5 niveaux d'affiliation, mais le troisième, quatrième, cinquième niveau se débloque au fur et à mesure. Donc, par exemple, bon, voilà, tel que c'est maintenant, donc le compte micro franchisé, quand on a 3 filleuls micro franchisés, on débloque le troisième niveau. Quand on en a 4, quatrième niveau, 5, cinquième niveau. Et ça s'arrête à 5 niveaux, hein. Après, le pourcentage de commission qu'on touche sur 3e, 4e, 5e niveau, ça va pas être 30%. Alors là, il n'a pas dit, par contre, il n'a pas dit tout combien c'est, mais que ça va être peu. C'est parce que là, c'est 30% sur le premier niveau, 30% sur le deuxième. Donc déjà, ça fait 60% qui donne aux affiliés. Donc après, sur ce qui reste, donc 40%, pour faire un 3e, 4e, 5e niveau. Ouais, je sais pas comment ils vont débrouiller dans les pourcentages, mais faut pas s'attendre à grand-chose. Moi, je pense déjà s'ils faisaient 5% sur chaque 3, 4, 5 niveaux, 5%, ça ferait 15% de plus, potentiellement, bien sûr, pour quelqu'un qui a... Enfin, on se comprend, hein, sur une lignée, ça ferait 75% de commission sur certains comptes. Donc je pense déjà 5%, c'est symbolique. Tout ça, même 5%, on le prend. Il faut se rappeler que le deuxième niveau de ClickFunnels, c'est 5%. Et pourtant,
Rien que le fait que ça existe, 5%, ça permet d'en parler et c'est une petite motivation. De toute façon, oui, si on donne 5% sur le cinquième niveau, quatrième, troisième, ou 0%, ben, je prends 5%. Donc voilà, c'est toujours un petit peu de trucs en plus. Bien sûr, ça, c'est ce qu'on développe. Parce qu'il faut quand même avoir, déjà, le deuxième niveau, il faut qu'il fonctionne. Les gens qu'on a, nos filleuls, il faut qu'ils vendent. Et sur ce qu'ils vendent, on touche déjà 30%. Mais il faut que ceux à qui ils vendent, ils vendent aussi eux pour qu'il y ait un troisième niveau. Comprends? Donc c'est bien en théorie, mais après en réalité, faut y aller quoi. Ça va pas se faire comme ça que. Alors après, ça dépend si on a déjà plein de filleuls, enfin un certain nombre qui eux-mêmes ont développé. Dès qu'il va y avoir ces histoires de troisième, quatrième, cinquième niveau, moi par exemple, j'ai déjà plus de 5 filleuls. Qui sont micro-franchisés, donc j'aurai déjà les 5 niveaux. Ça va se débloquer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, on peut dire. Après, et une autre nouvelle, c'est, il a changé un truc, c'est au niveau du plan, le premier plan là, qui est à 10$, enfin 8€. Celui-là, actuellement, le plan à 10$ ou 30$, ils n'ont pas l'affiliation. Ce n'est que pour les comptes micro-franchisés. Et là, il y a un changement qu'il va faire, c'est qu'il va donner l'affiliation pour le plan à 10$. Parce que actuellement, donc 10$, c'est uniquement l'éditeur web. Là, ce plan, il va avoir l'éditeur web, la possibilité de connecter un nom de domaine et donc une infinité de sous-domaines. Donc, plus l'opportunité d'affaires, c'est-à-dire plus l'affiliation. Après, je ne connais pas les détails de comment ça va être. Est-ce que ces gens qui ont pris à 10$ ne vont pouvoir promouvoir uniquement le plan à 10$ pour avoir les commissions? Ou est-ce qu'ils peuvent promouvoir tous les plans? Tout ça, ces détails, on ne les sait pas. Par contre, il a dit, ça va sortir avant décembre. Donc c'est bientôt. D'ailleurs, il y a déjà le tunnel qui est créé. Donc là, c'est le cinquième formation. Donc sur ce plan, voilà, on peut ne pas être trop content, c'est vrai, parce que finalement, le fait que l'affiliation soit réservée à ceux qui ont le plan micro-franchisé, au début, c'est un peu chiant. Mais une fois qu'on a payé, on a pris ce plan, on est content d'avoir cette exclusivité. Ça fait moins de concurrents pour l'affiliation de rôle. Mais bon, il y a quand même des arguments en faveur de ça, du fait d'avoir l'affiliation pour le plan à 10$. Tout dépend après les conditions. On verra c'est quoi, mais c'est parce que pourquoi c'est bien? Parce que du coup c'est plus attractif ce plan pour des gens qui veulent. En fait, il y a plein de gens qui veulent pas mettre 45 euros dans un truc tous les mois, même s'il y a plein d'outils, tout ça. Par contre, 10 euros, enfin 8 euros avec la possibilité de faire l'affiliation, donc de générer des revenus en revendant ce plan, là c'est vrai que ça c'est plus facile à vendre. Ça touche parce qu'on peut parler de l'opportunité d'affaires tout en restant avec un prix en dessous de 10 euros par mois. Donc, ça va être plus facile de vendre. Et sur ça, c'est pareil, on touche les commissions sur ce plan et sur les plans qui génèrent le deuxième niveau, troisième, quatrième, cinquième aussi. Donc, c'est quand même bien ça. Et le cinquième information, c'est que il va sortir aussi deux tunnels, deux nouveaux tunnels. Alors bon, c'est en anglais. Hein. Après, c'est à nous de les faire en français si on veut. C'est le tunnel pour justement vendre ce plan à 10$ avec l'opportunité d'affaires. Donc, un tunnel qui permet de faire ça, donc ça c'est bien. Et l'autre tunnel, c'est pour vendre le build roll, mais pas comme c'est vendu pour l'instant. C'était toujours un build roll, c'est un super outil. Il y a ça, 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 ça dedans, c'est une plateforme, c'est comme ça. Alors que la façon là, de vendre, c'est pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec, quelles sont les différentes choses qu'on peut faire avec Builderall. Donc, ça, bon, on va dire c'est la base, c'est normal. Il vaut mieux parler de vers quoi va nous amener le produit plutôt que du produit, des caractéristiques du produit. Mais là, avec. Cette série de vidéos qu'ils ont fait plus le tunnel, ça va le faire.
En fait, c'est des petites histoires sur chaque type de personne, qu'est-ce qu'ils sont professionnellement et qu'est-ce qu'ils ont fait avec Ludorol, en fait, et quel type de résultats ils peuvent avoir et qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Et après, l'outil, bien sûr, c'est Ludorol, mais c'est surtout focus sur ce qu'ils ont fait avec. Ouais, c'est toutes ces vidéos-là. Pour l'instant, elles sont qu'en anglais et en brésilien. Après, pareil, c'est à nous, si on veut le faire en français, on peut. Mais sinon, on peut très bien faire la promotion en anglais. Il n'y a rien qui nous empêche, à part qu'on ne parle pas anglais super bien, mais pour faire la promotion, tout ça, parler, du moment qu'on a un niveau basique, faire des copier-coller et commencer à connaître les mots, on peut faire du marketing en anglais, bien sûr. Et c'est plus facile à vendre en fait en anglais. Parce que, une fois qu'ils arrivent sur la plateforme, il n'y a pas de problème de choses mal traduites ou de petits problèmes. Au niveau anglais, c'est nickel. Voilà. Et 5 informations sur Budora, là qui vont arriver bientôt, sauf la crypto-monnaie. Ça, c'est en pourparler. Mais ça va prendre des mois de développement, donc ça, c'est pas pour de suite du tout. Et après, l'histoire de la carte de crédit pour être payée et les niveaux d'affiliation, tout ça, en fait, ça va se faire rapidement parce que le tunnel pour vendre le plan à 10 dollars qui maintenant a l'affiliation, tout ça est déjà fait, donc ça va sortir. Mais il faut qu'ils le fassent bien carré, surtout les niveaux d'affiliation, pour pas que ça fasse arnaque. La FTC, c'est l'association aux États-Unis qui fait fermer des sociétés de MLM ou autres qui sont pour arnaque les pyramides ou les arnaques escroqueries Ponzi. La FTC, elle a des règles, donc il faut s'assurer que ces règles sont bonnes. Alors avec 5 niveaux d'affiliation qui se débloquent en plus, enfin bref, ils vont se débrouiller pour que ça soit pas ne puisse pas être fermé, quoi, le bulle de rôle puisse pas avoir de problème avec ça. Et il faut que ça soit réglé, d'avoir l'approbation des associations de vente directe qui, eux, vérifient le plan de rémunération et le valident. Et ensuite, la FTC aussi valide, donne son accord, hein, son avis, quoi. Et avec ces avis, après, on peut avoir la carte de crédit, il y a des règles comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, mais ça va se faire et c'est sûr qu'il n'y a pas de problème en théorie. Après, il faut avoir les approbations avant de pouvoir avancer. Donc, pour qu'il y ait tout ça, il a dit qu'il veut avant décembre. Donc, il reste plus qu'un mois. Ça va arriver, tout va arriver maintenant ce mois-ci, au pire en décembre. Voilà. Sauf crypto-monnaie. Et donc, c'est cool. D'un côté, c'est cool. On verra, mais le plan à moins de 10 euros, du coup ça va changer dans la promotion qu'on peut en faire. Parce que pour l'instant, je suis obligé de dire à chaque fois, si vous voulez faire l'affiliation, prenez plan micro-franchisé. Donc c'est 45, il n'y a pas le choix. Mais là, ça sera différent. Là, on peut dire, vous voulez faire l'affiliation, ok, prenez moins de 10 euros par mois. Vous avez l'éditeur web, vous pouvez connecter un nom de domaine. Donc en fait, ça fait un site et autant de sous-domaines qu'on veut. Donc une fois qu'il y a ça, voilà, ça fait quand même un outil. Hébergement plus éditeur web qui permet de faire ce qu'on veut au niveau des pages de capture et tout, avec tous les modèles qu'il y a. Donc ça, l'éditeur plus l'affiliation à 5 niveaux, avec 5 niveaux. Donc ça fait un bon argument pour le vendre, pas de problème. Et après, une fois qu'ils ont le plan à 10 euros, ils peuvent toujours augmenter de plan, passer à la micro-franchise pour avoir tous les outils, l'autorépondeur et les autres outils de Budorol. Mais pas obligatoire avec quoi. Déjà, gagne l'argent avec l'affiliation, juste avec moins de 10 euros par mois. Donc il n'y a pas cette histoire de oh, 45, c'est un gros investissement. Alors qu'en fait, pas du tout, hein, moi je dis depuis le début, c'est pas important le prix 45 euros, c'est peu importe, puisque de toute façon, l'outil se rembourse multiples fois, je sais pas combien, plein de fois. Voilà, sur mes trucs. Non, on voit pas. En gros, c'est voilà. Moi, ça va faire 3 mois que j'y suis. Et donc, j'ai payé
Alors, première fois, deuxième fois, troisième fois. Disons le 9 novembre, je vais payer pour la quatrième fois 45 euros. Donc en gros, ça veut dire que j'ai payé 200 euros. Voilà, on va imaginer le 9 novembre, 200 euros j'ai payé. Et au niveau des gains que j'ai reçus déjà, parce que tu vois, tous les gains s'accumulent et il faut les demander pour les avoir. Donc ce que j'ai demandé 400 euros, voilà, 400 euros déjà. Donc, moins les 200, on va dire, voilà, j'ai 200 euros de profit. En dollars, j'ai demandé 265 dollars. Voilà, donc 200 euros de profit plus 265 dollars. Et là, après, j'arrête. Donc, en gros, c'est ça. Donc, déjà, mes trucs ont été payés. Parce que ça m'a rien coûté pour ces 4 mois. Il y a quelques gains. Voilà. Donc, je veux dire, les mois d'après, même si je gagne plus rien à partir de maintenant, je peux encore payer pendant, je sais pas, combien, pendant 8 mois encore, et ça me coûtera zéro. Donc, c'est pas le problème combien ça coûte. Mais quand on s'y met, on se dit, oh, putain, je vais payer 45 par mois là. Voilà, on pense comme ça, alors qu'en fait, ça se rembourse, parce qu'après, on travaille avec. Mais là, j'ai arrêté les paiements. Parce que depuis que j'ai commencé la formation de certification du rôle, parce que j'ai payé 1500 pour 3 mois de formation. Et là, maintenant, donc, il faut s'exciter, il faut que but de rôle, les gains d'affiliation, me remboursent ça, là, les 500, plus 45 euros. Donc, on va dire, allez, en gros, 500 euros, il faut que ça fasse par mois, rapidement. Donc, j'ai bloqué là les paiements. Maintenant, ça s'accumule, j'ai 25 euros d'attente et 50 dollars. Voilà, ce sont déjà 75, vraiment un truc comme ça. Et ça, il faut que ça monte à 500 avant le 22 novembre. Donc, il faut que je me bouge pour que ça monte. Parce que mon but, c'est que voilà, il faut que je me rembourse vite fait la formation. Ouais, voilà, bon, c'est tout. C'était pour dire ces 5 informations. Sont sympas sur ce qui va arriver. Alors bien sûr, ça fait plusieurs mois que je voulais faire un tunnel pour les Français. Ça va changer un peu. Donc déjà, bon, ça va, heureusement que j'ai pas fait, on va dire. Voilà, c'est une bonne excuse. Mais il va falloir changer un peu le truc parce que maintenant, il n'y a pas que le compte à micro-franchisé pour l'affiliation. Donc je pourrais faire peut-être ce tunnel et parler que du compte à 10 euros. Sera plus facile à vendre, c'est toujours plus facile. Et puis on peut parler aussi de l'opportunité d'affaires, l'affiliation, tout en restant avec 10 euros. C'est pas grave, c'est pas la peine de parler des autres plans, puisque une fois qu'ils sont dans le build de rôle, ils voient le truc, d'eux-mêmes ils peuvent changer de plan. Et ça reste nos filleuls. Donc quand ils changent de plan, notre commission augmente aussi. Enfin, on peut en parler après, mais pour présenter le défi du million, je pourrais concentrer uniquement sur le plan à 10. Voilà, parler de ça, c'est seulement 10 euros. J'ai même pas besoin de parler de l'autre plan, puisque je pourrais en parler une fois qu'ils sont dedans, quoi. Ils ont déjà pris le compte. Le défi, tout ça peut être le même, mais avec ça. Par contre, quand est-ce que ça va sortir? Il reste, voilà, ce mois-ci, donc je sais pas quand. Mais bon. Je peux quand même travailler sur des trucs parce que vu ce que j'ai rien fait, pratiquement, ça n'empêchera pas de faire les vidéos. Enfin, dans le tunnel, il y a plusieurs trucs à faire. Donc, je peux me concentrer sur ça et le final, faire la vidéo pour parler du produit, de l'opportunité à faire. Tout ça, je peux le faire à la fin, à la limite. Enfin, le temps que j'ai tout fini, reste déjà, je pense que le truc sera sorti. On verra. Et il faudrait que je le fasse. De toute façon, voilà, ça c'est un truc, par exemple, vu que j'ai payé la formation. Et qu'il faut que je fasse des gains, et ben ça c'est une chose à faire de ce tunnel. Maintenant ça devient encore plus urgent qu'avant. Ouais, c'est tout. Si vous avez des questions sur ces nouveautés, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Et puis si vous voyez dans cette vidéo dans 2 mois, ben, sûrement que tout aura été fait, sauf la crypto-monnaie, à voir. Ça c'est plus un projet, on sait pas trop hein, si ça va se faire, ça peut changer, on verra. Bye bye.